à l'attention de Maître Nguégan, notaire à Bafoussam. Lettre recommandée avec accusé de réception, et envoyée par courriel. Objet, succession Loé Pierre. Compte rendu, dividende, bilan et autres. Bonjour Maître Nguégan, notaire à Bafoussam. Vous Maître Nguégan, notaire à Bafoussam, avait été chargé de gérer la succession Loé Pierre et la Société Générale de Commerce de l'Ouest du Cameroun, SGCO, BP 78 Bafoussam. Avec l'accord de certains héritiers de M. Loé Pierre, vous aviez géré et procédé à la dissolution de la société précitée. Cette dissolution s'est faite au mépris des règles élémentaires des statuts de la dite société, ainsi que les lois qui régissent les sociétés anonymes. Cette dissolution vous avait permis de mettre les mains sur les actifs de cette société, le capital, pour ne citer que ce poste du bilan de la société, actif. Ainsi vous aviez distribué la somme de 100 millions de francs appartenant à cette entreprise à l'ensemble des enfants du président du conseil d'administration, Monsieur Loé Pierre, ainsi qu'aux veuves de ce dernier. Je tiens à vous préciser que Monsieur Loé Pierre n'était pas propriétaire de cette entreprise. Il n'était qu'un membre de la dite société. Il en résulte que la part des 200 actions, 500 actions au total, qui appartenaient à Monsieur Loé Pierre, devait être distribuée à ses héritiers, y compris moi-même, sous certaines conditions, les veuves étant usufruitières de leur époux. Ceci conformément au statut de cette société, et aux lois qui régissent les sociétés anonymes. Je vous précise que j'étais actionnaire et membre du conseil d'administration de cette société avec 40 actions sur 200. Vous aviez donné la somme de 1500 euros à chaque enfant de Monsieur Loé Pierre, y compris moi-même. Je vous avais demandé de remettre la somme de 1500 euros qui me revenait à mon conseil Maître Siwe, Anne Consamba Cameroun. Ce jour je voudrais que vous versez l'ensemble de mes dividendes. Vous me communiquiez vos bilans d'inventaire. Vous me communiquiez vos bilans comptables annuels et semestriels de toute votre période de gestion de la dite société. Je vous précise qu'il faut faire une différence entre la succession Loé Pierre, dont je suis successible, et la Société Générale de Commerce de l'Ouest SGCO, dont j'étais actionnaire, membre du conseil d'administration. Il en résulte encore que je vous prie de me verser l'ensemble de mes dividendes relatifs à cette succession, de me communiquer les bilans d'inventaire relatifs à cette succession, de me communiquer les bilans comptables annuels et semestriels relatifs à cette succession, de toute votre période de gestion de la dite succession. En l'absence d'explications claires, je saisirai les tribunaux compétents pour qu'ils disent le droit. Je reste à votre disposition. Cordialement, et bien à vous. Foalme. Loé. René. Ampliation. Monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun. Monsieur Laurent Esso, ministre de la Justice de la République du Cameroun. Monsieur le président de la Cour d'appel de l'Ouest du Cameroun. Monsieur le procureur de la Cour d'appel de l'Ouest. Monsieur le juge commissaire chargé de la succession Loé Pierre. Monsieur Mé, ancien gouverneur de la province de l'Ouest du Cameroun. Aux enfants de Monsieur Ansessou Ongui, ancien ministre de l'Intérieur du Cameroun. Maître Nguégan, notaire à Bafoussam, Cameroun. Monsieur Tsaka Mornest, expert comptable à Douala, Cameroun. Maître Siwe, au barreau du Cameroun. Monsieur Loé Kamgué Ludovic, homme d'affaires Paris, représentant de Madame Kamgué, Colette. Madame Laurence Lefièvre, opticienne lunetière, représentant de Madame Kamgué, Colette. Monsieur Puy Kouokam et Monsieur Kouokam Loé Villefrier, pour transmission de la présente lettre à Monsieur Kouokam Loé Edouard. Monsieur Kamogne Isaac, homme d'affaires à Douala, Cameroun. Monsieur Yitambé Ernest, enseignant à Paris. Madame Ndongo Virginie, administratrice de société, comptable à Paris.